Bienvenue à tous et à toutes dans ce témoignage que nous allons faire ensemble aujourd'hui. J'accueille ici le frère Michel avec moi. Shalom. Voilà, donc Michel qui a vécu avec un arrière-plan très dans la recherche, dans la difficulté aussi. Il est passé par des épreuves très difficiles dans sa vie. Et d'ailleurs, vous pouvez facilement vous reconnaître, auditeur, peut-être au travers de son témoignage. Alors Michel, on t'écoute. Michel, comment tu as rencontré, comment tu as fait cette rencontre avec, avec Christ? Bon, alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Bon, je suis resté très longtemps avec une dame, pendant 13 ans. Et suite à ça, suite à la rupture, bon, bah, je suis parti en dépression. Je fais une dépression à peu près de 4-5 mois, on va dire, comme ça, 4-5 mois. D'accord. Ensuite, ben, j'en avais un peu marre de cet état, hein, on va dire. Hein. J'en avais vraiment marre de cet état. J'ai crié à Dieu dans ma chambre. J'ai crié à Dieu. Voilà, si le Dieu Tout-Puissant il est là-bas, ben, voilà, il faut qu'il me sorte, quoi, il faut qu'il m'aide. Quoi. Et là, comme un espèce de bien-être, quoi, de mouvement, de, tu sais, de... Régénération. Régénération, tu sais, ouais. Il te relève, quoi, tu vois. Tu sens qu'il te relève, tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens qu'il y a une force qui te relève, quoi. Hein, je commence à ranger ma chambre, je commence à prendre ma douche, je commence à remanger, je commence à chercher du boulot. Une force qui est venue te régénérer, te rebooster dans ta vie spirituellement. Vraiment, ça a été très fort. Alors. Ouais, ça a été vraiment, voilà, c'était palpable. Quoi, tu sais, c'était palpable. C'était le matin, c'était, voilà, ça m'a fait du bien. Quoi. Je me suis mis à chercher du boulot, à me mettre, voilà, à me mettre bien, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu auras à dire aux auditeurs qui sont victimes peut-être de dépression ou peut-être qu'ils ont ce vide en eux et qui... Demandez au Seigneur, demandez au Seigneur. Le Seigneur, il répond à tous les cœurs meurtris. Il faut lui demander, il faut l'appeler sincèrement. Et il nous relève tous, en fait. Il ne fait pas de différence. Hein. D'accord. Il faut demander au Seigneur, oui. Alors, pour toi, comment ça s'est déroulé par la suite? Tu as eu cette expérience-là par rapport au Seigneur. Tu t'es présenté devant lui. Donc, ça c'était un matin. Donc voilà, je me mets à tout bien faire, quoi. Je me mets à reprendre un petit peu de force, quoi. Mais voilà, je me dirige. Et pour moi, bon, c'est le Seigneur qui fait tout. Donc je me dirige. Je vais la nouvelle spiritualité, quoi, le New Age, tout ce qui est méditation. Ouais, voilà, je tape ça sur YouTube. Je tape voilà. Je savais pas. Je voulais spirituellement. Je voulais quelque chose, quoi. Recherche. Voilà, une recherche, quoi. Et ça, je commence à m'adapter là-dedans, méditation, un peu de yoga, vous voyez, le pouvoir de l'attraction. Ça a duré pendant à peu près un an, une année comme ça, et sans véritable effet, quoi, sans véritable paix intérieure. J'étais toujours en recherche de quelque chose, quoi. Ça, il y avait toujours encore un mal-être, une rancœur, une amertume. Vis-à-vis de ce qui s'était passé dans le passé, tout ça. Voilà, tout à fait, voilà. Et en fait, un soir, tout bêtement, j'avais mon meilleur ami qui est devenu musulman salafiste. Et tout bêtement, un soir, on va au cinéma, comme n'importe quel soir. Et on rentre, on se met devant chez moi, la voiture, on discute comme d'habitude. Et là, moi, je pose des questions un petit peu sur l'islam. Alors, comment que ça se passe, tout ça, l'islam, la mosquée, tout ça. Et lui, il me parle, hein, il était content, il me parle. Et il me sort un verset dans le Coran, mais pas très clair. Il me dit, voilà, quand tu fais l'aumône, donne... de la main droite sans ce que la main gauche, voilà, sans une espèce de phrase comme ça. Je retiens pas véritablement ce qu'il me dit, mais je me dis, ouais, c'est quand même pas mal, c'est quand même, spirituellement, c'est quand même sympathique. Et je rentre à la maison, tout de suite, bon ben voilà, salut frérot, à demain, je rentre à la maison. Puis mon père, il a une petite Bible dans une étagère, et je me dis, bon, ben, je vais feuilleter un petit peu la Bible, moi aussi, parce que bon, tout le monde s'est mis dans l'islam, tous mes amis sont mis dans l'islam, bon ben moi, je vais regarder un petit peu ce que dit la Bible. Et puis je lis la Bible, je tombe sur Matthieu 6, le Seigneur, il me... Tout de suite, j'ouvre, il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur, on sait très bien. Je tombe sur Matthieu 6, et le verset 3, il me parle. Le verset 3, il dit « Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a fait. » Donc, c'est exactement ce passage. C'est exactement le truc qui m'a dit qu'il était dans le Coran. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, comment ça se fait qu'il est dans le Coran, qu'il arrive après? Je me suis dit, moi, je vais m'intéresser. Voilà, ça m'a marqué au cœur. Et je me suis dit, voilà, moi, je vais chercher la Bible. Voilà, amen, amen, gloire à Dieu. Et je me suis dit, moi, je vais lire les évangiles. Voilà. Et là, je commence véritablement à approfondir un petit peu, voilà, la parole, entre guillemets. Et là, je tombe amoureux du Seigneur Jésus tout de suite, quoi. C'est vraiment une révélation, je crois. Et suite à ça, une révélation, je me suis dit, mince, pourquoi je passe à côté de ça, à côté du Seigneur Jésus depuis tout ce temps, quoi, à 30 ans, quoi. Vous voyez, j'arrive à 30 ans, saisi par le Seigneur, par l'onction du Christ. Non, je me suis dit...
Donc, tu as vécu ce miracle qui a percuté ta vie, ton existence, par l'amour. Rapport à la parole de Dieu. Par rapport au Seigneur. Et l'amour, le Seigneur qui est... L'amour du Seigneur, voilà. Ouais. C'est ça qu'on ressent quand on lit les évangiles. C'est l'amour de Dieu, vraiment pour nous. Et on se dit, waouh, quand même, d'accord. Crucifié pour nous, c'est pas des histoires. Quoi. Voilà, donc vraiment, quand tu as découvert la crucifixion, quand tu as découvert le salut, enfin le pardon que Jésus offrait, pour les auditeurs, parce qu'ils ne savent pas, ils pensent que la Bible, c'est un vieux livre poussiéreux, que c'est un livre qui ne sert à rien, que c'est quelque chose de compliqué. Alors, qu'est-ce que tu aimerais leur dire aux auditeurs qui pensent ça, en fait? Ben, déjà, c'est une mauvaise pensée, déjà. Déjà, c'est la pensée, je pense, que la société, elle fait. Hein, exact. Voilà, de nous, comment dire, que c'est faux, que ça n'existe pas. Et voilà, moi, je vous invite à lire vraiment, véritablement, les évangiles. Et à, voilà, vous allez être saisis par l'amour du Christ, l'amour du Seigneur Jésus. Vous allez être vraiment, véritablement saisis si vous avez un cœur ouvert. Voilà, il n'y a pas de... Comme moi, ouais, j'étais meurtri et voilà, le Seigneur m'a saisi, quoi, voilà. Gloire à Dieu. Pourtant, j'ai testé, voilà, la spiritualité, méditation, tous les ordres de... toutes ces choses mondaines, ça n'a rien fait sur moi. C'est vraiment Christ, rencontre-là qui a vraiment déclenché quelque chose en toi, spontanément. Vraiment, ouais, voilà, ça m'a saisi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, en tout cas. Amen. Gloire au Seigneur. Pour tous ceux qui sont dans le New Age... qui sont dans les choses véhiculées par le monde. Ouais, les choses mondaines. Je leur communique ce message alors pour leur dire vraiment qu'il n'y a pas d'autre chemin que Christ. Il n'y a pas d'autre chemin que le Seigneur. Il n'y aura pas de paix de toute manière là-dedans. Et voilà, là j'aimerais bien partager un verset avec vous dans Matthieu 7, versets 13 à 14. La parole, elle dit, l'entrée dans le royaume. Entrez par la porte étroite, en effet large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14, il dit, mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Voilà. Vraiment, c'est étroit. C'est étroit le chemin. C'est uniquement par Christ, uniquement en Jésus. Aucun autre chemin. Les auditeurs peut-être n'ont pas l'habitude d'entendre ce message, ils disent, ouais, moi j'ai un autre chemin, c'est bon aussi. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Totalement faux. Totalement faux, de toute manière, il y a juste un... Bouddhisme, islam, peut-être. Bouddhisme, islam, catholicisme, voilà, le Seigneur Jésus est venu lui-même crucifié pour nos péchés, pour nous sauver, voilà, de la malédiction qui était faite sur la planète, grâce à cause de Satan le diable. Et il y a uniquement en Christ, par son sang, que nous sommes sauvés, voilà. Uniquement en mettant notre foi en lui, par le baptême, et en faisant sa volonté, tout simplement. Et alors, quand tu as eu cette recherche dans ta vie par rapport à ça, ensuite, tu as eu des épreuves accablantes, des choses qui sont arrivées, ou comment ça s'est passé pour toi par la suite? Tu peux nous expliquer un petit peu ton témoignage? Le cheminement, tu veux dire? Le cheminement. Jusqu'au baptême. Jusqu'au baptême. Bon, ça a été un peu long, ça a pris du temps, parce que moi, vu que je suis issu d'une petite ville où il n'y a pas d'église évangélique, je me suis tourné dans la première église du village. Hein. Donc voilà, j'étais voir le curé, puis voilà, moi je veux donner ma vie à Jésus. Bon, bah, vous lisez la parole suite à ça? Et vous vous rendez compte que c'est pas les catholiques sont à côté du truc, quoi. Ils prient Marie, ils prient les statues. Donc, tu as compris par toi-même qu'il y avait un souci, qu'il y avait un problème. Bah, par rapport à la parole. Donc voilà. Donc je me suis rendu compte que les églises catholiques, c'était pas la véritable parole biblique, hein, la parole du Seigneur. Entre les statues, les prières de Marie, la divinité de Marie, les bougies, les prières pour les morts, enfin tout ce genre d'abominations. Et par rapport à la parole et en même temps sur les frères et sœurs en Christ sur YouTube. Donc voilà, donc suite aux églises catholiques, donc voilà, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la parole du Seigneur. Donc j'ai stoppé. D'accord. J'ai stoppé et grâce à un ami, une connaissance, qui m'a présenté justement un frère d'une communauté chrétienne. Mm-hmm. Un frère évangélique, un disciple, un véritable disciple du Christ. Donc sur quoi, voilà, j'ai rencontré le pasteur et j'ai décidé de passer par les eaux du baptême, voilà. Et le pasteur m'a affermi dans la connaissance et puis m'a fait le baptême, quoi. Voilà, tout simplement.